donc il y a 18 ans. Avant, c'était Ajoux. Avec, on était aussi avec une autre association qui s'appelait Carabosse à l'époque, qui n'existe plus, qui faisait du théâtre. Et avec la gratte, nous, on a rajouté le côté musique. Carabosse n'existe plus, mais on garde encore ce côté théâtre, tout ça. Il y a du cirque. On va avoir un gros spectacle de cirque là, avec une grosse structure. On a des clowns aussi qui viennent. On a du théâtre aussi. Voilà, on essaye de faire plein de choses et pour tout le monde aussi, puisque le dimanche, on réserve ça plus pour les enfants. On essaye de faire quelque chose de plus familial avec beaucoup plus de théâtre, beaucoup plus de choses comme ça. On commence plus tôt, on fait plein de choses pour tout le monde. Votez Klein pour votre liberté. On part du principe qu'on essaye d'avoir des tarifs bas et des trucs bons. Alors au bar, c'est un peu compliqué d'avoir les deux en même temps. Du coup, on a de la bière pas chère, à 2 euros, moins bonne certes. Et après, on a de la plus chère, mais de la plus bonne. On a de la bière naturelle. Et pareil pour le vin, parce qu'on veut garder des tarifs abordables pour tout le monde. Et on a du super bon aussi, qui forcément est plus cher, parce que ben, y en a moins. C'est plus compliqué pour les producteurs et on peut pas descendre en dessous. Et en nourriture, bah, c'est pareil, on essaye de bosser surtout avec du local, beaucoup, beaucoup de local. On a des frites maison à 1 euro qui font un carton chaque année. Voilà, on a Tonton, le maître de la nourriture, qui nous fait des trucs absolument succulents avec beaucoup de producteurs locaux. On bosse avec la boulangerie du village, on bosse avec que des gens du coin. Et on essaye de faire un maximum des trucs du coin et pas trop cher. Et pour tout le monde aussi, parce qu'on fait aussi du vegan. Alors au niveau des entrées, on essaye pareil de garder des tarifs réduits, alors très réduits même, puisqu'on est à 15 euros sur le pass, 4 jours. Ça, je pense qu'on est plutôt fort là-dessus. Jeudi, c'est prix libre, et après ça augmente, mais ça reste des tarifs très abordables. Et le pass est vraiment à un prix dérisoire. L'année dernière, on était un peu rock'n'roll, cette année, on est revenu des trucs un peu plus éclectiques. Mais musicalement, on a un peu tout, on a du hip-hop, il y a eu du jazz hier, il y a de l'électro, il y a du rock, il y a du punk, il y a un peu de tout, on essaye de tout mélanger, autant en musique que dans d'autres domaines artistiques. On a donc les bars tapas qui sont là, qu'on va vous présenter tout à l'heure. Là, tu dépasses pas cette ligne-là. Tu vises ça, ou ça, ou ça, ou ça, ou les yeux. Ok? Allez, vas-y, fort! Alors ça, c'est Zarcé. Zarcé. C'est le mec qui fait l'administratif. Administratif. Voilà, et moi c'est Lucas. Culasse. Je suis plutôt sur le... la technique. Voilà. Technique culasse et admin Zarcé. Ah, c'est nos surnoms. C'est ça. On faisait des bars sur les festoches. On faisait des bistrots sur les festivals avec les camions. On s'est dit tiens, on va faire des jeux forains pour animer nos bars. Et puis après on a fait des jeux forains et on est allé au bar des autres. Et c'est des jeux forains pour l'instant. Et ça pourrait être plein de trucs. Il y a un camion scène, des projets de musique peut-être aussi, des fois. C'est une asso depuis 10 ans. On commence par rentrer dans la foire avec la cabane à l'eau. On achète les tickets et on négocie le prix. Et c'est un spectacle à lui tout seul aussi. Ça fait très fort. Un jeu, un ticket, un prix libre. Vous avez ce que vous voulez, si je suis d'accord. Donc il y a le bout du goulot, c'est le tir au bout du goulot, à la pétanque. Il faut casser le bout du goulot avec une boule de pétanque, c'est un peu comme un caps de punk. Le lucha libre, le fameux lucha libre, le jeu de catch version mexicaine. Où il faut, c'est comme un chamboultou, il faut lui casser les dents, lui faire des yeux au beurre noir. Un canateur tire à la carabine qui du coup a 2-3 mondes, faut sauver les pirates des douaniers et de tout ce monde. Le fameux Barracuda avec notre grand champion cloudiste. Donc voilà, un petit ring, deux marteaux, un clou, deux marteaux, deux clous, ça dépend des règles. Faut affronter notre grand champion au clou. Et la fameuse machine d'orgueil, la maillotche. Qui fête quasiment le mât, il a 7 ans, 8 ans, 9 ans, le mât il est aussi vieux que tout le monde ici. C'est parti des enfants du festival, donc ceux qui comme moi sont nés dedans, on n'est pas super nombreux. Il y a moi puis ma petite sœur, il y a Aubépine qui est notre chef loge, ses deux sœurs aussi, et il y a la famille Enonin, les trois petites tounes aussi là.
Et du coup, nous, on était déjà là, on était bon, forcément les plus jeunes du lot. Et petit à petit, on a ramené les copains, tout simplement. Et les copains, une fois qu'ils sont venus, bah, ils se sont mis à revenir tous les ans et à venir donner des coups de main et être de plus en plus impliqués. Et voilà, maintenant, on a une bonne équipe de jeunes, bien motivés, très soudés, puisqu'on se connaît tous super bien, on s'aime à la folie. Et voilà, et on a fait, on a fait les Rural Kids, les bébés du festival. Tout le monde, ils sont totalement intégrés. On a l'impression qu'ils sont là depuis 20 ans, eux aussi. Tous nos festivaliers qui sont là chaque année, qui sont fidèles et qui sont super en plus. Ça fonctionne beaucoup avec la buvette et la resto. Et puis voilà, après, sur le même principe, les groupes qu'on fait venir, les spectacles qu'on fait venir, tout ce qu'on fait venir, on prend des gens, on prend pas des grosses têtes d'affiche, on garde des trucs, des gens qui ont besoin de travailler aussi. On néglige pas la qualité pour autant, mais on n'est pas à vouloir faire des énormes groupes et des énormes têtes d'affiche, parce que de toute façon, on n'a pas les moyens. Et c'est pas dans l'esprit du festival non plus, on veut garder quelque chose d'authentique avec des gens qui sont là et qui se font plaisir et donner leur chance un peu aux gens qui tournent pas forcément partout. C'est bon, 18e ! On essaye d'en vivre un peu, mais c'est pas gagné encore. Je pense depuis 2003, un truc comme ça, que je viens avec le chapiteau de Territoire Voyageur. On en profite, on fait un peu de promo pour les copains, parce que je bosse avec eux. Et du coup, rencontrer Philou à ce moment-là, et les Jeux Forains sont arrivés un peu après, et on a proposé les Jeux Forains, il a dit « Ouais, vas-y, viens !» Et voilà. C'est la troisième année consécutive, je dirais, mon cher Jackie. Voilà. À la gratte de Pâques. Putain de vie au festival rural.